Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Selon l'enquête internationale, le capitaine Marcel Guilavogui, qui était l'assistant du commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba au moment des faits, était au stade. Alors que l'avocat de Marcel, M. David Guilavogui, était en train de poser des questions et d'exposer l'amitié de Bernard Kouchner et Alpha Condé, dans le but de soutenir la thèse du complot d'Alpha Sekouba Konaté Toumba, le capitaine Moussa Dadis Camara va interjecter. Je ne veux pas que vous me posiez n'importe quelle question par rapport à ça. Vous n'êtes pas mon avocat. Je veux que vous retirez ce sujet, que vous me consultez avant tout. Le tribunal... Le président du tribunal, Ibrahima Sori de Tonkara, avait visiblement un sourire aux lèvres qui aurait pu signifier « c'est en train de se gâter devant mes yeux ». L'avocat du capitaine Dadis, maître Pépé Antoine Lamar, va intervenir pour soutenir les propos de son client très rapidement. Monsieur le président, comprenez un peu la réaction du capitaine Dadis Camara et la défense que il respecte ici. Voudrais-je prier les chers confrères que le capitaine Moussa Dadis Camara a des avocats qu'il a constitués pour assurer sa défense. S'ils ont des questions en lien avec le client, qu'ils le posent. Nous ne voulons appuyer d'aucune conférence pour appuyer notre défense. Il s'agit d'un procès criminel et c'est chacun pour soi devant le tribunal, comme l'a rappelé l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara. Marcel Guilavogui n'est pas expressif. Alors, lors de son passage à la barre, pensait-il protéger Dadis lorsqu'il a livré sa part de vérité? A-t-il des révélations à faire pour se tirer d'affaire après 13 ans de prison? La défense de Marcel va-t-elle apprendre la leçon et changer de stratégie après l'humiliation infligée par la défense du capitaine Dadis Camara? Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, familles et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.